Désinhibé par le vin, Ruffin s'abandonna aux confidences, sur son métier, puis son couple. Je suis originaire de Crofailly, qui dépend de la commune de Bièvre, labellisé un des plus beaux villages de Wallonie. Donc, mes racines sont ardennaises, mes parents, c'était une petite ferme très modeste. On élevait quelques bêtes, on cultivait le tabac. J'adorais d'ailleurs la culture du tabac, surtout en hiver quand on marrottait les feuilles séchées. Je me souviens de l'odeur, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Comme chaque soir, il raconta sa journée à Flore, avec d'autant plus de détails que tout était faux. J'ai toujours eu envie d'écrire, surtout depuis l'âge de 40-50 ans. Alors qu'est-ce qui m'a poussé? Sans doute des auteurs que je trouvais formidables, c'était presque des éblouissements. Le déclic, c'était un besoin de raconter des histoires, ce que j'avais vu, les gens que je connaissais. Je me demande si mes escapades avec Mia ne l'aident pas à supporter son mari. Des techniques, il n'en faut pas. Il en faut, mais il n'en faut pas trop. Parce qu'à partir du moment où on parle de technique, ça va à l'encontre de la créativité. Je crois que Picasso le disait déjà, il disait « Enfant, je dessinais comme un adulte, et adulte, je dessine comme un enfant ». Ceci dit, il y a quand même deux écueils. Il ne faut pas embarquer le lecteur dans des scènes qui n'ont rien à voir avec le bouquin. Même si on a envie d'écrire ces scènes parce que ça vous fait plaisir à vous, écrivain. Le deuxième écueil, c'est qu'il faut que les personnages soient quand même cohérents du début à la fin du livre, ou alors il faut les faire évoluer, ce qui est bien aussi, mais alors il faut expliquer pourquoi ils évoluent. Le café L'Allemand, à Andine, est un de ces vieux cafés qui semblent être nés avec le village. Les racines, c'est important pour tout le monde. Un arbre, s'il ne puise pas dans ses racines, il meurt. Bah, c'est un peu mon cas aussi. En plus, je suis très fier de mes racines. Voilà. Et à ce propos-là, parfois, quand on dit en ville, je suis ardennais, et tout de suite, il y a des idées préconçues qui arrivent. Alors, en général, je dis je suis d'Ardennes, comme je suis d'un père et d'une mère, etc. J'ai vécu toute mon enfance à Crofailly, jusqu'à 23-24 ans, jusqu'à mon mariage. Je me nourris de tout ça, il y a tout ça qui me revient. Pas seulement les lieux, la rivière, la Smois par exemple, mais également les gens, bon, qui ne disaient pas toujours grand-chose, mais qui avaient une intelligence très fine, qui ne le montraient pas nécessairement. Et l'intelligence, c'est justement de ne pas montrer qu'on est intelligent. Je suis d'Ardennes et je le reste. Le samedi, je sors en boîte. Je ne me maquille pas. Ne porte pas le pendentif offert par Yann. Ben voilà, j'ai choisi Annie Ernaux, le livre Les années. Donc certains disent que c'est son chef-d'œuvre. Elle écrit avec beaucoup de courage, de sincérité. Ce qu'elle veut, c'est une écriture au plus près des choses, sans fioritures. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on lit ça, parfois on se dit, mais ça m'est arrivé, j'ai connu ça, et voilà. J'aime beaucoup la musique. Si on prend les chansons, ben, il y a Souchon, par exemple, Zaz. Ou si on prend la musique classique, j'adore le premier concerto pour piano de Scriabine. Voilà. Ah, un film, donc là, c'est un vieux film qui date des années 50, Les Orgueilleux, de Yves Allégret, avec Gérard Philippe et Michel Morgan.